the show. All right. Selassie. Alors bonjour, Mama Rasta. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Yes, I. Alors que la paix de Jah soit avec vous tous sur la terre. Alors c'est un Papa Rasta show encore avec la good vibe évidemment, mais confiné. Et oui, on est confiné, y a pas le choix. On est confiné à la maison, toute la terre. Alors un Papa Rasta show avec plein d'espoir, bien sûr. Et aussi une pensée pour ceux qui sont partis, parce que nous-mêmes, notre famille, on est en deuil. On a perdu un cousin, et en son âme, Rastafari. Et on pense aussi à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Alors c'est un peu un Papa Rasta show spécial, un peu moins peut-être vivant que les autres, mais toujours avec autant d'émotions que nous allons vous offrir depuis la maison, dans le confinement. Alors Mama Rasta, t'as la pêche, t'as la forme, t'es en esprit pour célébrer Jah et aussi pour célébrer tous ceux qui sont montés au ciel. Bien sûr, honorer tous ceux qui sont partis et continuer à chanter et à prier, à louer notre Père, l'Éternel qui les a tous retrouvés, tous ceux qui sont partis et tous ceux qui nous ont laissés, ils sont partis le rejoindre. Donc pensez à vous tous, à tous ceux qui subissent la perte d'un proche et puis à tous ceux qui ont envie de continuer à chanter, à louer, à prier parce que la musique c'est la vie. Yes, I. Alors on va pas, on va toujours respecter la tradition, on va commencer avec un morceau tranquillement. Alors un morceau de Papa Mama Rasta qui s'appelle Louer. Et oui, et puis on continue dans la session des lives, parce que les dernières petites vidéos qu'on a fait, on vous a parlé des lives, on vous a passé quelques extraits de live. Alors on continue avec le live. Alors c'est un Papa Rasta show avec des émotions, avec de l'émotion. Et on vous en dira plus tout à l'heure. Rasniko, tu es là? C'est là, c'est I. Yeah, one love. Alors voilà, tu peux enchaîner tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. One love, Rastafari, c'est là. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre les bois magiques des enfants d'Afrique, car nous sommes souvent partis à l'étranger, oui, donner la force. La force au fils des hommes avec le reggae de la consolation. Mais de temps en temps, nous rentrons sur notre terre de France. Qui nous a venu. Et aujourd'hui nous sommes au Papa Rasta.
Rastafari. Papa Rasta show. Alors on remercie tous les musiciens qui nous accompagnent à chaque fois sur scène dans nos émissions. C'est vraiment une émission à la maison, on fait la technique, on est là, on bouge de partout. Mais c'est vraiment l'émission à la maison. Alors voilà, on s'est dit avec Mama Rasta, qu'est-ce qu'on pouvait vous faire avec toutes ces tristes nouvelles, le confinement. Alors on va dans la musique, il y a deux choses. Il y a la douleur, bien sûr. C'est pour ça qu'on a appelé notre émission en hommage aussi à notre cousin, douleur et espoir. C'est-à-dire, il y a la douleur et il y a l'espoir. Alors on va vous chanter deux chansons, une chanson française, qui on a choisi cette chanson parce qu'elle représente bien la majorité des gens, on va dire ça comme ça. Et une chanson aussi qui représente la majorité des gens dans le monde américain, anglophone. Alors voilà, et puis une chanson d'espoir, une chanson d'amour avec de l'espoir. Et ensuite, on vous fera un petit chatting sur ce qu'on pense de la situation actuellement, de ce confinement et un peu tout ça. Bon, ça fait débat dans la famille d'ailleurs, parce qu'on est, on n'est pas toujours tous d'accord sur... Les buts, les aboutissements et les commencements. Mais bon, c'est bien, ça permet d'analyser les choses d'une façon plus riche, puisque à plusieurs. Alors voilà, c'est le Papa Rasta Show qui continue. Alors pour tous ceux qui sont partis et pour tous ceux qu'on va regretter, que nous aimons, One Love, Yes I. Cela, c'est. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. J'irai jusqu'au bout du monde.
Je me ferais teindre en blond si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais noyer la fortune si elle me le demandait. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, de ma faute si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel. Plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Le ciel. Yeah.
de commune en commune, de village en village. Abba Mama Rasta Family sur la route. Fire! Africa! Messenger! De commune en commune, de village en village, de ville en ville, de petit bar en petit bar, de grand festival en grand festival. Africa! Messenger! King Nico sur le sujet du confinement. Ça a discuté bien chez nous, cette histoire du confinement. Bon, moi, l'aîné, voilà ce que je pense, l'ancien. Je me dis que ça a montré à tous les hommes de la Terre que on pouvait rester confinés, que le monde ne nous tombait pas sur la tête. Et puis, on réalise aussi que les scientifiques nous disent depuis, nous alertent depuis des années que quand les pôles vont fondre, il y a plein de microbes qui vont se dégager. Alors que ça soit un microbe qui soit venu par le laboratoire, par des labos ou par la fonte des pôles, on n'en sait rien. Tout est possible. Mais on n'a pas fini de commencer à se confiner.
parce que si l'épaule continue à fondre, c'est-à-dire si on repart avec une économie, avec une consommation à outrance comme le veut Trump et le président du Brésil, là je pense qu'on va tomber dans un gros problème. Déjà beaucoup de gens vont tomber malades, mais surtout on va repolluer, resurpolluer. Alors moi je me dis, là je fais un appel à tous les progressistes, aux gilets jaunes, mais à ce qu'on est gilets jaunes depuis le début, nous en France, à tous nos frères et nos sœurs de lutte, de combat, n'est-il pas bon d'appliquer la transcendance, c'est-à-dire d'un truc négatif, le transformer en truc positif? Bah, puisqu'ils veulent qu'on reste confinés, on n'a qu'à rester confinés, tant qu'ils ne nous font pas des voitures propres, des avions propres. Ils ont la technologie pour faire toutes ces choses-là, qu'ils arrêtent les ventes d'armes totales sur la Terre, le nucléaire civil et militaire, et qu'on reparte un petit peu avec une grosse force d'espoir, mais pas leur truc de tout détruire, de vouloir partir dans l'espace, mettre des milliards dans la conquête spatiale, alors qu'il y a des enfants sur la Terre qui crèvent de faim. Je crois que là, on est devant une méditation, et c'est ça que nous, Rasta, en amène. On se dit, j'appelle à tous les leaders, tous les grands leaders politiques, tous les gens, toutes les forces de gauche et même les gars de droite, parce que, les gars, si avec tout l'argent que vous avez, vous êtes confinés, vous ne pouvez pas vous promener à gauche ou à droite parce que, à cause de la fonte d'épaule et du réchauffement climatique, vous ne pouvez plus utiliser votre argent, vous êtes confinés à la maison, parce qu'il y aura des microbes et des virus qui se dégageront de plus en plus dans notre atmosphère. Je pense que c'est une méditation à avoir. Alors moi, je demande à toutes les forces positives, les forces d'amour, de revenir rejoindre le clan de la sagesse. Et peut-être que là, on les tient. Soit vous faites comme on dit, soit on bosse plus pour vous. Et tout s'écroule. Parce que on préfère que, avec sagesse, que le système économique s'écroule, mais que notre terre, que notre nature, que les animaux, que les hommes survivent. Donc c'est un choix. C'est un choix qui s'offre à vous, les Mélenchon, les Besancenot, tous ces gens qui sont dans les partis politiques, qui souvent disent des vraies choses. Et bien là maintenant, vous êtes devant un choix. Est-ce qu'on repart comme avant, ou est-ce que du confinement, on leur impose un changement? Voilà, c'est tout simple notre question. Et j'espère que ça sera relayé sur les réseaux sociaux et que d'autres gens plus à même de répondre à ces questions-là que nous pourront débattre de ça et faire avancer cette idée qui, pour moi, est une bonne idée. Parce que là, on les tient. Parce que leur but, c'est qu'on bosse pour eux. Et si on arrête tous de bosser pour eux, tant qu'ils n'ont pas fait ce qu'on demande, peut-être que là, on les tient. Mais seulement, c'est un sacrifice, c'est la révolution, c'est un sacrifice pour tout le monde, un grand sacrifice, mais je pense qu'il vaut la peine, c'est pour notre terre, pour les oiseaux, pour les poissons, pour les fleurs, pour nos enfants, pour nos aînés, pour leur montrer qu'une génération, enfin, s'est levée et a décidé de changer les choses. Alors voilà, c'est sur ce. Voilà, je pense que j'ai terminé. Maman Rasta, aurais-tu quelque chose à rajouter ? Ben, ça nous permet aussi, ces temps de confinement, de nous adresser et d'aller un peu plus souvent voir tous les frères et les sœurs qui travaillent la terre depuis des années, que ce soit pour faire du miel, pour faire de la farine avec les meuniers ou les agriculteurs, avec tous les légumes qui nous nourrissent chaque jour. Donc, à chaque chose négative, à son positif. Et donc, tous ces petits pères, on va pas dire des petites personnes, mais tous ces gens qui travaillent depuis longtemps à nous donner des produits frais, ben aujourd'hui, ils sont récompensés. On se retourne vers eux et ils sont récompensés, voilà. Parce que on se rend compte qu'ils sont essentiels à la vie. C'est ça. Et pas les gros, pas les big, hein, les petits les qui petits travaillent tous les jours. Qui nous fournissent nos légumes partout ici, dans le Minervois. Alors voilà, c'est aussi un hommage à tous ces gens qui travaillent la terre depuis longtemps, avec qui ont souvent dû faire de la résistance
aux grandes techniques agricoles, etc. À tous les produits qu'on leur imposait. Tous les produits qu'on leur imposait. Ils ont refusé. Et aujourd'hui, bah, on est, c'est nos héros, au même titre que les infirmiers, les docteurs, les médecins. Ce sont nos héros, ce sont ceux qui protègent la France. Tous ces petites gens qui étaient souvent dans les gilets jaunes pour les infirmières, les aides-soignantes, pour beaucoup de petits métiers comme ça. Et c'est le peuple de France qui est toujours en résistance. Et on est toujours fiers de cette résistance-là. Elle nous fait toujours chaud au cœur. Et c'est le papa Rasta Show, toujours avec des révélations. Chaud, 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 chaud. Alors, pour terminer, un hommage à la maison des Rasta, à Stone et toute sa famille, et à mon ami Bruno, qui nous a quittés aussi, les musiciens qui étaient avec nous sur la route. Écoutez, c'est le son de Nantes City, One Love Forever. C'est sur ce morceau qu'on va vous quitter, le Papa Rasta Show. Yes, I. Alors, on était là avec vous à vous donner le maximum de vibe en espérant que vous aurez capté nos messages, le message du mouvement Rasta. Yes, I. La révolution continue, rien ne s'arrête, même si on est à la maison. Et c'est Dja qui nous guide. Rastafari. Love, c'est là, c'est là. Alors, one love à vous tous. Que Dieu vous garde et vous protège. One love.